poutre. J'ai entendu un bruit, je veux pas y aller. Ça pue tellement du cul! Y a pas une arme, un merdier, quelque chose, il me faut quelque chose. Je peux pas descendre là-dedans comme ça. Il y a 2 secondes, c'était tout allumé, c'était bien. Hein, mais maintenant, non. Je veux passer par là. Laissez-moi. Non, mais là, je te rassure, il y a des chances que ça m'arrive. Hein. Bon, une dernière cigarette. Oh putain. Mais Outlast, tu vois, c'est typiquement le genre de jeu que j'aurais jamais fait. Allez, va te faire foutre. Quand faut y aller, faut y aller. Ah, t'es pas belle. Ouah. Elle m'a envoyé valser. Elle a un couteau. Vas-y, je résiste. Résiste. Aïe, ça pique. Normal. Je peux la sentir reprendre possession de mon corps. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. J'ai été vilaine. Je mérite ceci. Ok, il s'est assommé. GG. Qu'est-ce que t'es devenu, Mia? Ah, le mec, il est costaud quand même. Hein. Notons qu'il s'est pris un couteau dans la main. EZ, je mets de l'essence. Enfin, je mets de l'alcool à 90. Pouf, je sens plus rien. Ah putain, elle est de nouveau possédée. Putain. Ah ouais, j'ai une arme. Ah ouais. Tiens. C'est à ce moment-là que tu te fais choper par un mec. Pour le coup, je suis dans une nouvelle pièce. Je peux récupérer la hache, s'il te plaît. Oh putain, le téléphone, il sonne. Va te faire foutre. Mais bon, pour le coup, ouais, ça ressemble pas à des zombies. Putain, le truc pour te poule, je vais me faire choper quand je vais décrocher, je le sens. Allô? Allô, c'est moi. Tu n'aurais pas dû venir ici. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui se passe ici? Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Le grenier? Vas-y. Maintenant.
Mia. Bon, elle s'est relevée, mais j'ai une hache. Là, c'est bon, j'ai une arme, on est tout de suite mieux. Il n'y avait rien. Enfin, un petit truc à ramasser. Logiquement, il me faudra un fusible pour activer le truc. Bah, le papounet, il va se prendre un coup de machette entre les deux yeux, il va pas comprendre. Mia! Où c'est que t'es? Ouais, il y a eu un petit coup de lagouillage. Viens prendre un coup de machette, on est bien. Logiquement, il me faudra un fusible pour le mettre là. Je peux pas mettre la pince. Je suis pas sûr que je vais m'aider. Je peux pas mettre ma machette pour qu'elle fasse contact. Non. La VHS. C'est au moment où t'essayes un peu tout. Mais ouais, par contre, clairement, l'interface a été faite pour être jouée à la manette, et ça, je trouve ça un peu caca. Parce que la porte d'entrée a dû se refermer, je pense. Elle va me sauter sur le rab dans un coin, je le sens. Je vais aller sauvegarder. Mais le problème, c'est que je sens que sur le chemin de la sauvegarde, ah, parce que c'est un jeu putassier, hein, pour sauvegarder. Faut trouver les trucs comme ça, on peut pas sauvegarder n'importe où. Bon, encore pour le coup, ils nous ont pas. Ils nous ont pas foutu le coup des rouleaux encreurs à la con là. Parce que là en fait, je peux actionner ce bouton là pour faire descendre le truc, mais ça va pas. Parce que je pense qu'il me faut un fusible, mais je sais pas où trouver ce fusible. Ah, les rouleaux d'angle, c'était la chiantise absolue, quoi. Et le problème, c'est que je suis déjà passé par là et j'avais pas trouvé de fusible. Par contre, il faisait pas si sombre. Plus de 20 personnes disparues en 2 ans. Vas-y, viens, viens. Viens prendre ton coup de machette. Ah! Et le fusible. Salut Kovno. Et là la pute. Ah mais comme je disais, là pour monter, il faut que je mette le fusible. Allez viens Catin. Mia. Prends ton coup de machette. Ah mais ça c'était les. C'est le peu de trucs de heal que j'avais sur moi, j'en avais deux, je les ai déjà utilisés.
J'ai plus rien pour me heal. Ah putain la pute. Ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas me blesser. Mais t'aurais pas dû faire ça. Mais tu vas pas te faire avoir à chaque fois, bordel. T'es pas si con, mec. Ça fait putain de mal. Allez, enlève ça. What? Elle sort ça d'où? Ah, ça pique. Et ma main? Ça fait mal. Bon là, une personne normale, en principe, elle est en PLS par terre. Hein. Bah, je sais pas d'où elle la sort, cette putain de tronçonneuse. Avec un sauce. Putain, je vais ouvrir le truc et je parie qu'il y a plein de mecs là-haut ou un truc du genre et je vais me faire défoncer. On sentait venir la baise. Non mais en principe là tu te vides tellement, t'es mort, hein. C'est fini. Oh oui. Enfin. Ah mais en fait, il y a une tronçonneuse. En fait, on est H dans Evil Dead. On va récupérer la tronçonneuse. Et après, easy peasy, on la met à son bras. Et là, on se marre bien. Putain, il m'a fait trop peur le mannequin, bordel. Petit coup d'alcool? Ah bah non. Ça a l'air d'aller. Il me manque juste une main, hein. Non, t'as raté le fait que je me fasse couper un bras à la tronçonneuse. Mia! Putain, mais perso, j'aurais tellement pas cherché à réfléchir, j'aurais tellement pris son coup de machette. J'avoue, c'est compliqué de recharger à une main. Putain, les bâtards. C'est vraiment des putes de mettre des... Elle va m'attraper par le pied. What? On charge mieux. Putain, je vise trop mal, c'est abusé. T'avais des... Bah, je suis émerveillé. Bon. Le problème, c'est que je vise comme un cul. Et honnêtement, la visée est super dure. C'est super lent. Encore. Ah, lui mettre une balle dans la tête, ça a l'air de la ralentir un tout petit peu. Hop. Ah bon, là, on sait ce qu'il faut faire. Non, mais t'imagines même pas, c'est que... Là, les DPI de ma souris sont plutôt élevés, et la visée est super lente. Je t'ai dit, j'ai l'impression que c'est fait pour être joué... Pour y être joué à la manette, quoi. Mais à mon avis, ouais, il faut juste lui mettre des balles dans la tête pour l'empêcher d'avancer.
Je savais pas qu'il y avait de la physique par contre. Je sais pas, mais là tu vois déjà rien que le fait de me déplacer c'est super lent. Alors ouais, je vais essayer de voir. Mais tu vois, c'est vraiment fait pour être fait à la manette quoi. Parce que tu vois, c'est marqué manette. Monter un peu, on va voir. Donne quoi? C'est pas terrible, c'est comme s'il y avait du délai en fait. C'est ça que je comprends pas, c'est bizarre. C'est juste qu'elle est possédée en fait. J'ai le gun le moins précis de l'univers, quoi. Un peu d'alcool et on repart. Oh, tu vois, il est méga pas précis ce gun, putain. Ah, moi aussi je t'aime. On se rappelle, hein. Salut Warendo. Salut Vince. Hop. Ouais, mais un FPS, ça se fait pas à la manette, quoi. Ça me ferait chier d'y jouer à la manette. Bienvenue dans la famille, fiston. Salut beau papa! Hop. C'est ce qu'on appelle un jeu vidéo, Kenji.